Chers amis, l'équipe qui va naître ici à Bamako, l'équipe qui va naître ici. Il y aura des remises de matériel tout à l'heure. Les jeux de maillot, absolument dit pour toi, le Mauritanie, qui va être basé ici à Bamako, au Mali, et qui va former des jeunes footballeurs. Voilà, pour l'académie, Neymar, Mbappé, ainsi de suite. Donc, nous espérons le staff technique, l'administration, les dirigeants, les dirigeants sportifs, tout le monde. Les joueurs, voilà. Et bonsoir, nous allons suivre cette équipe, cette académie. Effectivement, nous allons suivre un des hommes, le président Abdoulaye Ahmed. Ce sont des pros. Voilà, ça c'est pour la préparation. C'est en Espagne. C'est en Espagne, ils ont tout rappelé cette année. L'Espagne. Voilà, voilà. À commencer par le président. Le training, l'entraîneur, l'administration. Ça c'est pour l'étape que l'équipe, le FC Noir et Bout, a déjà. Et Mali, et Armand de Flair, capitaine. Voilà. Il était préparateur physique, hein. Voilà, avec toi en Mauritanie aussi. Voici un peu le groupe. Ça va nous donner aussi l'envie de voir une équipe FC Noir sur le plan international avec une formation saine, une formation propre. C'est vrai, le territoire malien a beaucoup de talent. Ça se voit sur le plan international, c'est des compétitions nationales et surtout africaines. C'est pour cela que notre convention sera dans ce sens. On va essayer d'avoir un produit vraiment marque FC Noir et Bout sur le territoire malien. Pourquoi vous avez choisi Baïba? Comme j'ai évoqué avant, c'est le talent. C'est le talent, en plus, une administration, un management saine qui a donné l'exemple dans la Coupe du Monde d'Afrique dirigée par Baïba. Tout ça, c'est de facteurs qui favorisent le produit ou bien la formation ici au Mali. J'espère que le résultat viendra très bientôt. Donc après la remise, vous êtes satisfait? On est tellement satisfait, bien sûr, parce qu'on travaille jour et nuit avec Baïba sur ce projet. Donc maintenant, on attend le bon Dieu, Inch'Allah. Le monde a fait le déplacement. Le monde a fait le déplacement. Beaucoup de personnes sont là. Pour être témoin, quoi. Ça, vraiment, c'est ça. C'est génial de voir tout le monde là. Pour voir ce bébé, Inch'Allah, il faut prier avec nous tous pour avoir le bon résultat, Inch'Allah. Merci bien. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Jonathan Xavier Dako. Je suis malien et c'est une grande joie d'assister à cette cérémonie incroyable. Je crois que c'est un rêve pour tous les jeunes maliens de l'Intazine Academy pour réaliser son rêve. Oui, c'est vraiment une grande joie pour nous tous et pour les dirigeants ainsi que pour les autres préoccupés. Dans le futur, qu'est-ce que vous voulez devenir, vous, les jeunes? C'est vrai, c'est une question agréable. Et nous voulons tous devenir des footballeurs. Nous voulons tous réussir dans le football. C'est une passion et nous voulons un jour signer un contrat professionnel, si possible. Si vous avez un message à l'endroit du FC Mekotou, FC Mekotou, partenariat, branche à Mekotou. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que et j'espère que ce partenariat va continuer pour les autres générations à venir. Je crois que c'est une chance pour nous et j'espère que ce sera une grande publicité pour la Mauritanie ainsi que pour le Mali aussi. Merci beaucoup, Dako. Très gentil. Tu vas nous donner son point de vue par rapport à ce partenariat. Je n'ai du tout apprécié pour Bamako. Bon, d'abord, on met On a un peu de temps.
on a vu Jarané et Anya Echec à Sédoul organisé pour la revue de Matelin et aussi à Fon organisé pour la détection des joueurs depuis un certain temps. Bon, je pense que dès qu'on a eu la dynamique, donc il y a la caméra qui a chuté et qui a fait une soirée Kenya dans la Katigala. Donc en gros, il y a la. Ça va? Merci beaucoup.